Bienvenue sur Réflexion, mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et soyez encore le bienvenu. Je suis très ravi encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de notre chère République démocratique du Congo. Je vais d'abord m'excuser pour cette éclipse que je me suis fait. Beaucoup de gens m'ont appelé, je vous remercie vraiment et je remercie les gens qui ont souci à chaque jour que nous puissions réfléchir sur notre République, que c'est ça l'amour que vous portez à moi. Merci, en tout cas j'étais très touché parce que là où j'étais effectivement, parce que j'étais un peu absent, là où j'étais, j'ai continué à recevoir le message sur Twitter, sur mon email a pratiquement, surtout à partir du 5, mon email a pratiquement a été bombardé par des emails où on me posait les questions. Vous aviez voulu, il y a beaucoup d'événements qui se passent en République démocratique du Congo et vous vouliez assez que je puisse intervenir pour vous éclairer. Mais c'était vraiment, j'étais dans l'obligation d'être un peu à l'écart. Et j'étais dans une autre activité. Peut-être que ceux qui me suivent pourront savoir ça parce que nous sommes en train de faire une autre tranche que nous allons bientôt intituler. Et là, je vous annonce peut-être que dans les jours prochains qui viennent, vous allez finalement voir Contact Pro Live être sur la télévision, le bouquet StarStat. Donc nous serons là, nous sommes encore en train de négocier. Et donc c'est dans toute cette gymnastique qui a fait assez que nous ne puissions pas être réguliers sur le réseau. Mais maintenant que nous sommes revenus, nous avons trouvé l'actualité vraiment abondante et que nous nous sommes dit par où commencer. On se pose maintenant par où commencer. De l'autre côté, à l'est de la République démocratique du Congo, la guerre continue à faire face. Cette semaine, on me prend que, en tout cas, l'AFC est en train d'avancer et il est en train de négocier comment est-ce qu'il va faire tomber Boutembo sans coup de balle. Entre-temps, nous voyons déjà la population dans la ville de Boutembo. Il y a une certaine surchauffement. Il y a maintenant des divisions, on ne sait pas, il y a vraiment beaucoup de choses dont on va taire les noms pour ne pas nous exposer, parce que ce sont des informations que nous apprenons et qu'on nous donne que battu à Boutembo avant la position tena. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe. À l'est de la République démocratique du Congo, à l'ouest maintenant c'est... Il y a à peu près les histoires du prison central de Makala, il y a la disparition de Papi Tamba, il y a l'arrestation, il y a des Madame Kimutu, il y a beaucoup de choses. Entre-temps, nous félicitons quand même nos léopards, nos joueurs, nos léopards qui ont fait un beau match en Tanzanie. Et donc là, nous sommes à 6 points. Donc, de ceux qui aiment le sport, moi aussi, j'étais un grand footballeur. Mes amis qui me regardent ici avec qui nous avions vécu à Bandundu surtout où nous avions pratiqué ce sport-là. Donc félicitations à nos léopards. Voilà donc dans cette cacophonie de sujets où nous avions un peu difficile à nous demander de quoi allons-nous parler pour rentrer effectivement sur les réseaux comme d'habitude. Et là nous avions choisi un sujet qui est vraiment très important et qui cadre avec la solution que nous proposons ici. Le sujet, c'est l'unité nationale. Comment est-ce que nous allons y aller pour obtenir l'unité nationale? Nous avons vu Fayoulou qui vient avec cette histoire-là de négociation en demandant qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Voilà, nous allons parler de l'unité nationale et le dialogue national. Parce que le dialogue national cadre justement dans le cadre de notre solution que nous proposons ici. Et nous pensons que cela va vous émerveiller et intervenir, bien sûr, dans d'autres sujets si le cadre nous permet. Donc, merci. Donc, avant, comme nous faisons tout le temps, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite pour développer notre sujet, l'unité nationale et la cohésion nationale. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, malgré le changement du ministre des Finances, les mauvaises pratiques budgétaires persistent et s'aggravent.
sites qui voulaient les dizaines de personnes impliquées dans la fraude minière arrêtées. RDC, l'utilisation des dispositifs électroniques fiscaux annoncés au mois de septembre courant. On va sur actualité.cd. 800 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire dans la zone de santé de Kwamout, Bagata et Kikongo. RDC, Sénat, les élus du Grand Katanga font part à Sama Lukonde des préoccupations et attentes de la population, notamment sur la question des ralentissements de la mise en œuvre du PDL 145. Et puis, malgré les directives de FMI, les dépenses exceptionnelles et les paiements dépassent 1 milliard de dollars au premier semestre 2024. Congo profond, éliminatoire Cannes 2025, la RDC dompte l'Éthiopie et consolide son fauteuil de leader du groupe H. Et puis, en RDC toujours, tout est relié à notre à perception de la vie et de la vie, une exploration de la subjectivité. Ça, c'est une réflexion. Et puis, vers une révolution touristique en RDC, ouverture ce mardi à Kinshasa du forum de validation de la politique nationale touristique. 7 sur 7, deuxième édition du tournoi BJFI One Tour, BJFI Bank RDC décerne plusieurs prix aux golfeurs et dans des différentes catégories à Lubumbashi. GAI de l'alphabétisation, le gouvernement s'engage à poursuivre à la mise en place d'un système éducatif performant, et inclusif et équitable. Et puis RDC, le gouvernement entame les discussions avec la FMI. Le FMI pourrait conclure de nouveaux programmes de financement. On termine par Radio Okapi. Goma, les chefs de quartier appellent à la traque des militaires de la 11e brigade en séjour irrégulier à Goma. Pas d'engouement dans les écoles de Mbujimayi une semaine après la rentrée scolaire. Et puis grève des enseignants, les écoles toujours fermées à Bassoko une semaine après la rentrée des classes. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, donc, mes chers amis, il y a quelque chose qui complique et qui est difficile à ce que les gens comprennent les termes en fonction. Parce que c'est par là que tout commence. Si nous allons dans ce que nous appelons l'unité nationale, est-ce que c'est la même chose avec la cohésion nationale? Moi, je crois que ce n'est pas la même chose. Pour avoir l'unité nationale et la cohésion nationale, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que faudrait-il un dialogue? Et ce dialogue-là se fera par qui? Qui doivent dialoguer pour à ce que nous puissions être ensemble pour obtenir cette cohésion nationale? La cohésion nationale, moi je pense que c'est quelque chose qui doit être construite. Ce n'est pas quelque chose qu'on va parler et qui sera comme cohésion nationale. Non. Et même cette unité nationale, et lorsque nous parlons de national, nous parlons de l'ensemble du pays. Ici, nous ne parlons pas des individus. Donc nous allons d'abord nous entendre sur ce point-là. Lorsque nous parlons de l'unité nationale, c'est-à-dire que c'est le national qui est uni. La cohésion nationale, c'est-à-dire qu'il y a une certaine cohésion entre le peuple congolais. Donc il y a des particules qui se mettent ensemble pour dire que nous avons cette cohésion. Hier, j'ai discuté vraiment lourdement et puis à chaud avec un confrère qui est au Canada, qui nous amenait des choses qui n'est pas comestible en République démocratique du Congo. Selon moi, la comestibilité de ses propos, c'était sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Que non, le FARDC est en train de chasser tout homme qui a pris les armes contre la République.
Moi, j'ai posé tout simplement la question. Si je peux le dire en swahili, vraiment, permettez-moi. Aseme far de se itapigani shamutu yote mwenye alikamata sila bila sheria ya kupiganisha inchi ya Kongo. Et moi, je posais la question. Ces gens-là qui sont en train de se battre, l'AFC qui est né, l'UDPS, et le je ne sais pas, tous ces mouvements, les CODECO, les gens qui sont en train de se dire que non, l'État congolais les a trahis. Les réclamations des enseignants qui ne veulent pas rentrer avant qu'on leur donne 500 $. La rentrée des classes n'a pas été effective. Tous ces bourdonnements, tous ces méfaits, tous ces détournements d'argent, la pauvreté qui règne sur notre pays et que quelqu'un se dit, moi je ne veux pas, je veux combattre pour mon pays. J'ai posé comme question, ont-ils tort? Bien sûr, prendre les armes contre la République, c'est de quelle République? Est-ce c'est une forme de réclamation? Tout le monde dit que non, nous ne voulons pas que les gens s'entretuent. Y a-t-il vraiment un assassin qui ne vous plus grand que celui qui ne vous construit pas des hôpitaux, qui ne vous organise pas, qui vole votre comment dirais-je malien ou banabaiba mali kila siku. Hamuna makazi, hamuna kitu, vous n'avez absolument rien. Y a-t-il un assassin plus que celui-là? Bien sûr. Muni excusez quoi njapa parce que mi emis comme tu ya AFC. Ça, si je peux, je voudrais encore clarifier ça. J'ouvre une parenthèse. Moi, je ne suis pas quelqu'un de l'AFC. Je ne parle pas pour les gens qui ont pris les armes. Les CODECO, les Zaïre, les FPLC, tous ces les Ouazalendo, tout ça, je ne suis pas pour ces gens-là. Mais les combats qu'ils sont en train de mener, les actes qu'ils sont en train de faire, ont une cause. Ça ne vient pas pour rien. Est-ce que nous nous sommes attelés à aller dans la cause? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Y a-t-il un État qui met tout le monde ensemble? Parce que là, je suis en train d'aller pour vous dire comment est-ce que nous allons élucider la cohésion nationale, l'unité nationale et comment l'obtenir. Vous allez m'excuser, aujourd'hui nous serons vraiment un peu plus longs parce que la suite de cette émission sera en live. Je crois que ça sera peut-être demain jeudi à 19h. Et donc, tous ceux qui ont pris les armes réclament quelque chose. Ils réclament, ils sont dépassés et ils réclament quelque chose. Qu'est-ce qu'ils réclament? Ils sont contre qui? Ils sont contre le peuple congolais ou ils sont contre le gouvernement congolais? L'AFC est en train de faire tout pour qu'il puisse faire fuir Tshisekedi. À cause de quoi? Est-ce que Balamuka Kikaboye, Balobi Tshisekedi Alongwa? Il y a des causes qui sont multiples et qui combinent à ce que les gens finalement se décident d'aller dans une lutte armée. D'autres personnes sont dans d'autres luttes. Et ils se disent que non, ils ont fait articuler l'article 64. Or, Fayoulou, qu'est-ce qu'il fait? Fayoulou a été dribblé en 2018. En 2018, oui. Il est dribblé en 2023. Mais aujourd'hui, il s'est dit, il faut qu'on puisse aller dans un dialogue. Parce qu'il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Y
y a les Katumbi, il y a les Mukwege qui sont dans un combat silencieux. Ba vandi kimia me baza d'accord tena makambu. Oyo, ezako sale mana Congo. Mais ils se disent que non, leur lutte pour que mbokeza la malamu bango ba choisir ndenge wana. Ba msusu balobi te biso to bandaka ko finga. Nous le voyons sur les réseaux. Ba msusu balobi te biso to simba mandoki parce que mutuana mandoki nda yo kaka. Alors, on se pose comme question. Lelo oyo Fayulu alindimi alobi bon, j'entendais Prince Pengue, l'un de ses général sur les réseaux, sur la télévision, il disait non, ils sont prêts à s'unir avec le diable pour sauver le Congo, comme Mobutu avait fait. Bolingi bo créé pour Makuria. Est-ce que c'est par là que vous pensez vous allez sauver le Congo? Moi, je ne pense pas. Ça, c'est exprimer une certaine, comment dirais-je, inconstance dans ce que dans votre élite. C'est exprimer une certaine inconstance. Kabila le père est venu avec une élite armée. Il s'est lié avec le Rwanda et l'Ouganda pour venir chasser Mobutu. N'avons-nous pas bénéficié de cette de sa victoire pour chasser Mobutu pour avoir un changement. Bien que l'ennemi était encore là, parce que moi j'ai dit souvent que Yangona pe naza kolobela même na batu o baza na Alliance Fleuve Congo. Attention, lorsque vous luttez, lorsque vous allez en bagarre, si votre combat est juste, vous allez vaincre. La justice de Dieu existe, comme disait notre joueur célèbre Chancel Mbemba. La justice, elle est bonne. Quand vous venez avec les bonnes intentions, elle s'exprime clairement. C'est pas mauvais d'avoir une élite non armée, mais ça va vous prendre combien de temps? Mboka oyo soki tozo kende nango na kolite na ndenge ya koloba kolo 2028, tout ça. C'est parce que peut-être nous sommes des cowards. Nous sommes des gens qui ne savent pas prendre les taureaux par les cornes. Notre population, elle est amorphe. Comparativement à d'autres populations. Population nabiso, peuple congolais, a mesana na pasi. Ce qui lipe mati, ok, bon, lipangwe matakaka. Sous d'autres cieux, non. Pourquoi nous sommes comme ça? Alors, Bandeko, Fayulu a une idée à l'objet, non, il faut qu'on ait un dialogue, il faut qu'on ait un dialogue, il faut qu'on ait un dialogue, parce que... Mais Félix avait déjà refusé cette histoire-là. Quelle est l'importance, quelle est la finalité d'un dialogue? Quels sont les résultats? Qu'est-ce que nous cherchons à résoudre avec le dialogue que Fayulu veut nous, dans lequel Fayulu veut nous amener? Parce que déjà, Tshisekedi avait dit, il les avait tendu la main, il n'acceptera, parce que Fayulu n'a jamais accepté Kibokonzi Naye, Akenda qui n'est pas à Katumbi. Félix Tshisekedi l'a dit. Mais Yangwana, moi je me dis, Fayulu tape à côté, Mbande Konangaye. Fayulu tape à côté. Il ne peut pas, parce que ce n'est pas rien de Mokonzité. Et moi, j'ai dit ici, sur Contact Pro Live, notre salut ne viendra que de Félix Tshisekedi Bandeko. Notre salut, pour l'instant, ne viendra que de Félix Tshisekedi si il a encore de l'amour pour ce pays. Mais malheureusement, naza komona ke bon. Bazo boma batu, Bandeko na biso bakufi, lui, ça ne lui dit absolument rien. Il est dans ses histoires. Il est même... prêt à appeler les joueurs qui jouent. Il y a un gens qui ont disqualifié, ils ont fait ça batou. Moi, mbutu mbutu akoloba. Ah, batou bakufi awa, ata appel. Mais kaka likambo ya ndembo, ndembo ango, ceux qui t'ont gagné nini, ceux qui t'ont gagné, sont bons. Ils ont le koumou ya mboka o, ils ont kobeba. Bon, ça c'était une parenthèse.
Et donc je disais, l'isolo oyo Fayulu na Tshisekedi ba lingani po ba benga ba Congolais ba solola. Eza po na ko résoudre nini? Parce que c'est ça le dialogue selon eux. Ba benga ba tu certains leaders ba vanda, OK, normalement le Congolais sait comment ça se termine. Bakolo baboto sala boye poto bongisa il faut to sala gouvernement d'union nationale yo tizi yo Fayulu yo ya causa la premier ministre Fayulu na système oyo ato komi premier ministre eloko ko changer te. J'avais dit aux hommes de Nanga que il faut faire attention ce qui bo komi na Kinshasa ndenge bozola kabiso. Bon, même la biso changement. Et ce changement-là dont nous avons besoin, Félix peut le faire et l'initier. Et anticiper même Makambu Oeza Kouta na Goma, na Est la République démocratique du Congo. Félix peut les anticiper. A koki ko sale yango, et puis apprendre Bango en eto. Bitumba ya est ekozala ka résolite na maloba na maloba boete. Non, il faut des actions, des actes, il faut des actes qui vont coincer mutu nyoso o asimba mandoki. Il y en a la solution, c'est cette solution que nous proposons ici. Je vais rappeler une chose. Félix Tshisekedi tangwa ke ko solana ba groupe armé soki na Nairobi kuna soki na Uganda ki ka ila reuni tous ces groupes armés là o ba solola tout ça abasengi bango ba simba batika mandoki apesi bango ba $10,000 $10,000 ça fait quoi? Aucun impact. Donc li solo oyo Fayulu abanzi ke no a proposé na Félix poto solo la poto obtenir unité nationale soyi unité nationale wana ekosimbate parce que déjà bon ndako ango to vandeli la fondation de notre pays elle est déjà détruite. La fondation de notre pays n'existe pas. Le problème c'est notre pays bande konangai. Le problème se trouve au niveau du pays, à l'intérieur du pays. Regardez que ndenge nini tozo mekabo et simbite to mekibo et simbite. Félix a yena bokonzi a promettre boy et simbite. A lobby boy et simbite. Le dollar ne fait que monter. C'est parce que nous n'avons pas encore touché au fondamental, au fond du problème. On n'a pas encore touché à ce fond du problème. Et le fond du problème se trouve où? Ça se trouve au Congo. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas un Chinois ou un Français qui viendra résoudre notre problème. Non. Et donc, unité nationale, on a souvi cohésion nationale, on a failli la banzi que Yakobenga Katumbi, Yakobenga Mukwege, Yakobenga, ceux qui délisent Sanga, Bavandi, Basololi, Balobibo, ok. Ce n'est pas ça. Ça n'aboutira pas à la cohésion nationale. Le dialogue que eux veulent parler, parce que Bango Bazo Lingaba solo là, ils se disent qu'il faut dialoguer. Et lorsqu'ils se disent qu'il faut dialoguer, ils vont parler de quoi? Ils vont parler comment est-ce que stopper la guerre à l'Est? La guerre à l'Est pourra venir jusqu'à Kinshasa. Ces gens sont très. Est-ce que Tango Bakovanda ne va pas bongi sa armée na biso pour armer à la mesure à Kobunda? J'avais dit aux gens de Katumbi, lorsque dans son discours sur la campagne électorale, il disait que non. Yeso kazui bokonzi akobanda kopesa ba swimba mandoki mosolo. Non. La trahison, elle est profonde en République démocratique du Congo. La trahison, elle est profonde. Et c'est comme ça qu'il faut combattre ça. La chose à faire, bande konangai. La chose à faire, c'est quoi? Il faut que les Congolais se parlent. Il faut que Félix Tshisekedi a comprendre que non. Ezaba conseiller na été, ezaba avocate,
Eza peuple congolais. Mais le peuple congolais, c'est qui? Ce sont ceux-là qui sont cités dans l'article 10 de notre constitution. Et congolais, toute personne appartenant à un tribu ou une ethnie qui avait ses terres lorsque le pays accédait à l'indépendance en 1960. Quels sont ce peuple? C'est les 450 tribus de la République démocratique du Congo. Voilà le peuple congolais. C'est ce peuple-là qui doit se parler. C'est ce peuple-là qui doit obtenir cette unité nationale. Et donc l'unité nationale, c'est l'unité de tout ce peuple-là qu'on appelle nation. Ce sont ce peuple-là que nous devons dire que non. Comment est-ce que nous allons obtenir l'unité de ce peuple-là congolais? C'est de là qu'est née l'idée où nous avions dit, c'est par là que va sortir la solution de la République démocratique du Congo. Oye Kosilisa, Kimoyibi, Oye Kosilisa, tricherie. Kopesa kimya na kati ya mboka mobimba du nord au sud de l'est à l'ouest et mutu moko akokiko initier loko wana c'est celui-là que nous voulons pour ce Congo, pour que ce Congo avance. Mutu ane koiko zala nani e koiko zala président Tshisekedi e koiko zala nanga. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux pôles. On ne peut pas le nier. Tozana pôle et abato, bazoyana mando qui pouba chasser Tshisekedi. Entre-temps, Tshisekedi, azali wana zana nou na légitimité, ata yiba ki angona 2023 awa. Mais c'est une légitimité qui est là. Et que le peuple peut encore écouter. Ce n'est pas Fayulu. Tshisekedi nga na lobaka na ba émission na ngai. Mobali a simba kailoko na maboko alobi te ngana kwa affronter batwana. Soki na kwa affronter bango te na mana kuboma mandoki boy. Je vais les affronter d'une autre manière.
Mais c'est ce que Félix Tshisekedi n'est pas encore, ne réfléchit pas. Yawana na zakolo banalobia. L'unité nationale, c'est que nous n'avons pas une nation. Il faut d'abord se concentrer à ce que comment nous allons obtenir ça. Nous avions dit rétrocéder le pouvoir au peuple. Et le peuple, comme je vous l'avais dit ici, c'est tous les 145, les 450 tribus. Les 450 tribus existent où? Mais ils sont éparpillés sur toute l'étendue de la République, subdivisés en 145 territoires. À ta place, au Bananga Bazali, et Zaba territoire, il y a Batumsus au Bazalaka. On a Batou, Bakimaki. Et Zepanabango. D'ailleurs, c'est ça le mal. Au fur et à mesure que nous ne donnons pas le pouvoir à notre peuple à la base, Batou, Basimba, Mando, qui Bazako profiter. Kokimi sa population ba bengana batu et pas na bango. C'est pour cela que moi j'ai dit que Félix Tshisekedi pourrait anticiper Babiloko Oyo en convoquant ce que nous appelons ici à Contact Pro Live les états de lieux de chaque territoire qui nous mèneront à ce que le peuple congolais à la base ba tribu ba vanda na kati na bango dans les 145 territoires qui est Masolo ya Koloba Bandeko. Biso tolingi mboka na biso ezala ndenge ni. Tolingi nani a kengela biso. C'est un projet que Tshisekedi pouvait prendre. Depuis 2019, nous sommes en train de parler de cette histoire ici. Tshisekedi benga ba état de lieu à chaque territoire tindika batu nyoso na kati ya bakende kosala ba masolo na bango na kati ya ba territoire pour que pa territoire ba recouvrir nanu une certaine stabilité na une certaine cohésion. Voilà où nous allons avoir la cohésion. Na ndenge ya batu o ba yebani, ils peuvent se dire que non bande konabiso tosito to souffrir ya mingi. Eza mundele te mtu koyaka koyaka kozwa babele na biso ake kozwa biloko biso totika lia wapamba. Nous ne sommes plus en 1960 où il y a des territoires où il n'y a pas d'intellectuels. Non. Si vous faites ça, moi je vous assure que M. Tshisekedi, vous allez être regardé au yondo kozala mokonzi. Parce qu'au fait, tant que Masolo ane kosale mana 145 territoires au même moment, ils sortent des résolutions qu'ils doivent implémenter d'abord chez eux pour avoir la paix. Les gens vont accepter Balobi, bon, ok, awa biso to accepter faire des mais faire des il faut nous totonga yango. Il faut qu'il y ait une armée effectivement républicaine nationale. C'est-à-dire qui est établie sur tout l'ensemble. Et il faudrait que chaque territoire a contribué. Voilà notre contribution pour l'armée. Ça, nous expliquons ici sur Contact Pro Live comment est-ce que l'armée républicaine est Kotongama. Mais ici, c'était pour vous dire que Makamboyo, Bazakoloba, dialogue national ou bien cohésion nationale, ce n'est pas entre les politiciens. Ce n'est pas Nanga qui va venir dire à Mounande, par exemple, de s'unir. Non! D'abord, nous devons nous mettre d'accord chez nous, les bananes, c'est dans cette tribu-là. Et nous allons l'obtenir comment? C'est lorsque nous allons dire, voici territoire à Lubero. Quelles sont les tribus qui existent là-bas? Les données sont claires. Ezama kambako lukapete. Ezama kambako lukapete. Toyeba ni kuna, awa ezala kanabanyanga, ezala kanabatembo, ezala kabanani boibo. Bo banyanga bo s'organiser bo stinda délégation na bino awa potoza na meeting moko ya 300 personnes qui va siéger pour résoudre les problèmes de notre république et de notre territoire en premier et de notre république en plus. Ces états de lieux auront comme mission l'identification de la population dans le territoire et l'élaboration d'une ébauche d'une nouvelle constitution de notre pays.
Voilà les deux missions que nous, nous pensions que nous pourrions donner à ces états de lieux. Parce que nous, nous avions pensé que Fondation Ambo Cannabiso et Bandi Wana. C'est par là que nous allons commencer la fondation de notre pays. Lorsque les territoires vont se mettre d'accord en disant que non, ici, nous, nous avions vu thématique Nabiso sur la nationalité, tout ça sur une nouvelle constitution, ça se prépare et ça se donne du temps. C'est ce temps-là que nous devons nous donner, nous, les peuples congolais. Si nous pouvions anticiper ça, tant que M23 Bazako réclamait Masolo, nous devions aller leur dire. Nous devions aller même aux groupes armés en les appelant que non. Na Bokabwani, Ndege Tozo Bundabo et Toko Developa Kambo Kanabisote. Nous sommes en train de taper à côté. Si vous voulez le développement, ok, bon, tous organisés. Voici les problèmes au Tozako Bunda. Ah, parce que Tomi Yebite. Nous n'avons pas une liste de tous les Congolais. Nous devons nous connaître tous. Bon, voilà. Vous-même, vous allez vous identifier. Bino Boyebi, Bananyango, Bazalaka, Awa, tout ça. Mettez-vous ensemble. Chaque territoire, Bazako, miti ensemble. Vous allez voir. Dès que côté Kounabayo, Kanibatumusu, Bakolanda. Et c'est ainsi que chaque territoire, lorsque nous aurons des résolutions sur la sécurité, sur l'identification et le recensement de la population, c'est dès lors que nous pourrons former une nouvelle classe politique. Parce que les 300 personnes réunies dans un territoire, ils vont se choisir des gens pour aller défendre les idéaux de leur territoire au niveau des provinces, avec une ébauche d'une constitution. Bah, qu'on est dans la province, qu'on attend, bah, comme dans la province, bah, harmoniser, bah, texte. Ce n'est pas les imbéciles. Ce n'est pas les gens qui n'ont pas de tête. Ça ne sera pas nominatif. Ça, les Kambwa, n'importe qui t'es. Dans les provinces, on connaît. Toi, bani, les intellectuels, c'est qui? Bah, tout le monde, on qui qu'on désigne, oh, bah, oui, qu'on représente, biso, na katia territoire, na biso. Et lorsqu'ils arrivent en province, on forme encore une certaine. Ensemble, on a harmonisé le texte où ils ont territoire. Les gens vont discuter comment est-ce que nous pouvons prendre. Voilà comment est-ce que nous pouvons faire exprimer le peuple congolais. Ça, c'est une idée pratiquement géniale qui vient des contacts pro-life. Moutoumoussou soit s'obtenir de l'eau qu'on a été. Et moi, je serais fier. Mais papa Germain, est-ce que tu n'as pas peur qu'on va voler tes idées? J'ai dit, qu'importe que si tu sais que tu peux implémenter ça, moi, ça me fera plaisir de voir que Bitumbesili, le Congo commence à se relever. C'est tout ce que moi j'ai à avoir. Nini. Je ne suis pas payé pour ça, pour ce que je fais. Je le fais pour l'amour de mon pays. Je le fais pour l'amour de mes enfants et vos enfants qui vont rester avec ce pays-là. Regardez comment nos pères de nos indépendances nous ont laissé un pays en moule. Est-ce que nous aussi, nous avons le devoir de laisser ça comme ça? Nous tout à fout à Kangaï Bande Konangaï. C'est à cause de mon pays. J'aimerais voir un jour. Avant que nous quittions sur cette terre, que nous quand même une lueur d'espoir, ils sont bien comme les gens ici en Afrique du Sud, ils enjoy, ils ont sepela, na fruit ya ba papa na bango ba Mandela, oh ba bunda ba kufa et belé, jusqu'à aussi da Steve Biko ba te belé ba bundela bomengo o bango bazako sale la lelo. Moi j'aimerais que cela puisse avoir puisse être dans mon pays, ne puisse que total attaque à moi lueur d'espoir que to si ici lokoyo ne mafuta na nga yango wana. C'est ça mon salaire. Je n'entends rien azoluka musala te bande konangai. Je suis pas encore en train de chercher le travail, je ne cherche pas le travail.
Ça, il faut que vous puissiez vraiment le noter. Na batu oyo bazako continuer ko finga ngai o nga na za mutu AFC, o nga na za kabiliste, o nga na... Non, je ne suis nulle part. Bozo finge la nga pamba na za kuna te mutu ta futa kangai. Le peu d'argent que je peux avoir, je m'achète une caméra, je paye toutes ces histoires ici pour véhiculer cette idée. Moi, ça me brûle. Qu'est-ce que je peux apporter pour mon pays? Yo vandi kuna otali mutu azako réfléchir, azako proposer, ozako fingaye. Ça me fait ni chaud ni froid kotanga kabama finga na binoana. Mais ça me fait du grand plaisir lorsque vous vous abonnez, lorsque vous acceptez, lorsque deux personnes acceptent en disant que papa azolo ba makambwa solo. Et donc, si tu sais que tu peux prendre ça en, à l'obus, bon, toi implémenter en gros, bravo, on a combien de temps maboko. Parce que je sais, je suis convaincu que Eko Bimisabisona et Loko. Moi, j'étais sidéré à voir comment Fayoulou ne réfléchit plus. Fayoulou a zo kendope sa Félix Babeki. N'a ébité ce qui n'a ébité vraiment. N'a ébité. Je ne sais pas. Moi, vraiment, je me dis, j'ai été sidéré. N'aucun qui m'a lié à Kolobaté. C'est pas ça que Fayoulou devait conseiller à Félix. Kendele na yata na kunzuli. Kendo ebi sete Félix. Voilà comment on va faire. Au lieu de venir avec des idées décousues, vous ne pouvez pas obtenir l'unité nationale dans les leaders politiques. Ce n'est plus possible à ce moment-ci. Rentrer dans les communautés, bango moko ba kende koloba. Bozo wela kibokonzi, bozo wela konkiliambongo. Alors vous ne ferez pas avancer le pays. Malheureusement, vous ne ferez pas avancer le pays. Je suis désolé. Ce qui bozo kende bokanisi ke oye boeti, non, batoua, ngainde na kozala premier ministre, dialogue entre les tendances politiques, ça n'existera pas, ça n'avancera pas le pays. Tous ces partis politiques que vous voyez là-bas, ce ne sont que des pléthores de demandeurs d'emploi ou bien batumoko bazozo. Il n'y a pas de solution dans le parti politique si ce n'est pas dans le peuple congolais. Réorganiser le peuple congolais afin que l'État recommence à zéro. Toti kananu ba makambo ba IDPS, makambo ba Fayoulou SID, tout ça. Il n'y a pas de solution là. La solution, c'est d'aller dans le peuple congolais, lui remettre le pouvoir en disant Bandeko, Bandeko ya Est, Bandeko ya Bulungu, Bandeko ya territoire ya Kabe ya Kamwanga, Bokende Kovanda, Botala Nenini Bokiko Yokana, et boye la biso solution à Batu Oto Kiko Sal. Et ces gens-là, les territoires vont commencer à compétir en se disant nous avons le pouvoir ici. Batu ya Aruba Kolobate, Awa biso Toboy Nanou. Par exemple, bah, Minere Bimaka. Ils vont se mettre d'accord. Parce qu'ils ils sauront que vraiment le père de l'indépendance, le pouvoir est Kozonga et la Kinshasa, d'une certaine manière légale, Batouba accepter. C'est dès lors que la cohésion nationale pourra s'obtenir. Parce que les gens auront maintenant, dans les communautés, sauront comment est-ce qu'on devient administrateur des territoires. Comment on devrait parler des partis politiques? Et au niveau national, maintenant, on pourra dire, bon, ok, quels sont les courants politiques, bah, partis politiques qui sont réorganisés en Onéini? Nous sommes assez intellectuels pour encore rouler dans ces histoires ici des 1000, 2000 partis politiques. Bah, partis politiques mal-être. Vous voyez que le pays a été à moule. Bandeko, je vais vous demander de vous abonner parce que je vais m'arrêter là ici. Réflexion est sous Kaka Bongo. Je vous disais que le lot osa mardi, alors demain, ce mercredi, on ne saura pas, ça ne sera pas possible. Mais s'il y aura un live, je pourrais peut-être vous lancer un message. Mais certainement, avant la fin de la semaine, nous aurons un live où nous allons encore expliciter cette idée ici de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base pour sauver le Congo. Et dans c'est dans ces rétrocessions du pouvoir où nous pourrons avoir des dialogues pour discuter du pouvoir des territoires et Makambo Ezakoya Liboso Nabiso.
et comment cette rétrocession du pouvoir pourra terminer et la guerre à l'Est, dans ma situation économique, ça pourra vraiment bousculer les gens, parce que les gens pourront s'organiser en se disant « Ah, pourquoi nous allons à Kassai ?» Pourquoi on a kabeaka mwanga mzalezali? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous devons faire à na Kasai? Na Ituri kuna Tokyo lobo. Pourquoi to bundaka? Parce que ba chinois ne mtubaza ko exploiter. Il faut ba chinois na baya awa to yebisa bango ke dorénavant biloko esili. Ce n'est pas Kinshasa qui va commencer à venir nous imposer des histoires ici. Voilà un peu naza ko briefer bino komaka ba biloko moko amike mike. Bon, à quoi expliciter rétrocession du pouvoir et lingi kolobanine. Bandeko, merci beaucoup. Nous avons repris, donc, attendez-vous à chaque deux ou trois jours une émission où nous parlons de la République démocratique du Congo, tous autres décortiqués en haut, avec réaction aussi qui va encore reprendre. Réaction, comme vous le savez, c'est une tranche où nous réagissons sur une actualité qui tend à ne plus s'éclipser. Par exemple, Likamboa Papi Tamba, Isaac Okende, nous allons réagir sur ça au courant peut-être de la semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie donc, espérant encore que vous aviez aimé cette émission. Et on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.